Bonjour mesdames et messieurs. Good afternoon, ladies and gentlemen. Monsieur le secrétaire général, cher Jens, thank you so much for being here. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. En effet, dans la période de fortes tensions que nous vivons actuellement, marquée notamment par l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le rôle de l'OTAN est plus important que jamais. Et depuis le 24 février 2022, notre alliance a su répondre avec unité et détermination, mais aussi avec responsabilité, aux défis sans précédent que constitue le retour de la guerre à grande échelle sur le continent européen. Depuis plus de 16 mois désormais, mais l'OTAN est au rendez-vous et l'article 5, comme je l'ai dit, joue tout son rôle. Il tient la Russie en respect, il sanctuarise le territoire des alliés orientaux, alors que nous livrons massivement, avec le concours de l'Union européenne notamment, les équipements militaires qui permettent à l'Ukraine de se défendre. En Roumanie, en Pologne, ou dans les pays baltes, la France, vous le savez, prend toute sa part à cet effort et assume pleinement ses responsabilités et continuera de le faire. C'est la raison pour laquelle le projet de loi de programmation militaire que j'ai proposé au Parlement et dont l'examen vient de débuter au Sénat établira notre effort de défense de manière structurelle au-delà des 2% de notre PIB et conduira d'ailleurs à l'issue de ces deux mandats à avoir doublé le budget de nos armées. Mais l'OTAN joue aussi un rôle dans la solidarité directe avec l'Ukraine. Nous déployons un ensemble complet de mesures d'assistance renforcées pour aider à la réforme des forces armées ukrainiennes, favoriser leur interopérabilité avec les forces de l'Alliance et leur apporter un soutien dans le secteur non létal. Monsieur le secrétaire général, vous avez joué un rôle central pour permettre à notre Alliance d'être à la hauteur du moment et je sais tout l'engagement qui a été le vôtre pour préserver l'unité des Alliés alors que beaucoup pariaient sur nos divisions. Vous êtes investi pour assurer que l'OTAN réponde avec la fermeté nécessaire aux provocations de la Russie, mais également, lorsque cela a été nécessaire, pour éviter de nous engager sur le terrain dangereux de l'escalade. Je tiens également à saluer votre engagement pour la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, qui s'est manifestée par une troisième déclaration conjointe en janvier dernier. C'est indispensable, j'ai eu l'occasion de le rappeler encore récemment, car une défense européenne plus forte et plus opérationnelle apportera une contribution irremplaçable à la sécurité de l'espace euro-atlantique. Votre visite à Paris intervient alors que nous nous retrouverons à Vilnius dans exactement deux semaines pour un sommet dont chacun mesure l'importance dans le contexte que je viens d'évoquer. Et les décisions que nous aurons à y prendre nous engagent pour les années à venir. Je pense en premier lieu au soutien à l'Ukraine, que nous devons inscrire dans la durée. Il nous faudra aussi définir un chemin pour concrétiser la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN que nous avions ouverte en 2008 à Bucarest. Nous aurons également la responsabilité de définir une architecture de sécurité, des plans de défense cohérents avec les décisions prises l'an dernier au sommet de Madrid. Il nous faudra enfin et surtout nous mettre en mesure d'adresser le message d'unité qui s'impose aujourd'hui. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN il y a quelques semaines a constitué un geste fort. Il faut maintenant aller au bout de cette logique et permettre à la Suède de participer au sommet de Vilnius en tant qu'allié de plein droit. 29 États ont achevé leur procédure nationale il y a de nombreux mois. J'invite les deux qui ne l'ont pas encore fait à bien mesurer leurs responsabilités. Il est temps, plus que jamais, de prendre les décisions qui permettent l'unité et la sécurité du continent. Monsieur le secrétaire général, cher Jens, merci encore de votre présence aujourd'hui et de la discussion que nous allons avoir. President Macron, cher Emmanuel, thank you so much for the warm welcome, and it's really a pleasure to be back in Paris. And thank you also for your personal commitment to our transatlantic bond and for your leadership in NATO. It is a great opportunity to meet with you just ahead of the NATO summit in Vilnius and to discuss the final preparations for the upcoming NATO meeting. We will take decisions to protect our security in a more dangerous world. And we have seen that unfolding with the recent mutiny by Wagner mercenaries in Russia. This is an internal matter for Russia. At the same time, it demonstrates once again that President Putin's illegal war against Ukraine is a big strategic mistake.
It has deepened divisions and created new tensions in Russia. But we should not underestimate Russia, and we must continue to provide support to Ukraine. Because the more land Ukraine is able to liberate, the stronger they will be at the negotiating table, and the better the chance will be for a just and lasting peace. I therefore commend and appreciate France's vital contributions to Ukraine, including with military equipment and economic support. In Vilnius, we will agree a multi-year package of assistance and upgrade our political ties. This will bring Ukraine closer to our alliance. Ukraine's rightful place is in NATO. Once the war ends, we need arrangements in place for Ukraine's security so that history does not repeat itself. At the summit, we will also further strengthen our deterrence and defence. We are now putting in place new defence plans with assigned forces and capabilities and high levels of readiness. France plays a major part in this. You have allocated thousands of troops to NATO, including the French leadership of our battle group in Romania. French jets keep the skies safe over Eastern allies, and your ships keep critical sea lanes open. At this grave moment for our security, NATO-EU cooperation is more important than ever. And I welcome France's strong commitment to further strengthen the partnership between NATO and the European Union. One important area of cooperation between NATO and the European Union is actually in Kosovo. Our KFOR mission continues to fulfill its UN mandate impartially. We call on both parties to refrain from anything that can further escalate tensions and return immediately to the EU-facilitated dialogue. This is the only way forward. Today, we will also discuss the ambitious new defence investment pledge, which I expect NATO allies will adopt when we meet in Vilnius at the NATO summit. With 2% of GDP as a floor, not the ceiling for our defence spending. I commend France for boosting its military spending by more than one-third in the coming years. The Vilnius summit will be the first with Finland as a member of the alliance, and we are working to finalise Sweden's accession as well. Therefore, I have called another meeting of senior officials from Turkey, Finland and Sweden next Thursday in Brussels. The time is now to welcome Sweden as a full member of NATO. So, dear Emmanuel, once again, thank you so much for having me here, and I'm looking forward to our discussions. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Messieurs, sont partis.